Il y a trois éléments qui font obstacle à la réussite dans la filière musicale. Il y a littéralement trois trucs qui, si tu les as pas, feront que tu réussiras jamais à vivre de ta musique. Le premier, c'est l'argent pour produire tes projets. Le deuxième, c'est le public à qui tu vas pouvoir présenter ta musique, qui va la consommer, la promouvoir, en devenir ambassadeur, etc., etc. Et la troisième chose qui va te manquer, c'est la capacité à vendre ou la volonté à vendre. Donc reste attentif à la suite de cette vidéo parce que je vais te décortiquer un petit peu ces trois points-là et je vais t'apporter une solution qui, à elle toute seule, va t'aider à résoudre ces trois problèmes. C'est-à-dire qu'avec une seule action qui prend pas beaucoup de temps en plus, tu vas avoir la capacité, un, de lever beaucoup d'argent très vite, au minimum 5 000 euros en 30 jours en y consacrant à peine une journée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en même temps que tu vas générer cet argent-là, tu vas consolider, construire même ton public. Tu vas avoir une fanbase de fans hyper engagés et tu n'as pas besoin d'en avoir 150 000. 150 fans suffisent largement à lever 5 000 euros, par exemple, en moins de 30 jours et suffisent largement à te faire vivre de ta musique pendant au moins 1 à 3 ans. Et puis le dernier point, c'est que ça va t'aider, en plus de ça, à développer ta visibilité et tu vas le faire sans avoir besoin de vendre. Autrement dit, je vais te montrer une méthode qui va te permettre d'avoir 150 fans hyper engagés qui vont te donner 5 000 euros ensemble, évidemment, en moins de 30 jours. Et pour ça, tu n'auras même pas besoin de leur vendre quoi que ce soit. Si tu n'es pas à l'aise en vente, si tu n'as pas envie de vendre, si tu n'aimes pas vendre, ou si tu penses que ce n'est pas à toi de vendre parce que tu es artiste et que tu veux déléguer ça à une équipe, à un producteur ou je ne sais pas qui, tu n'auras même pas besoin de vendre. Donc le problème principal que la plupart des artistes que je croise ont, c'est bah ouais, j'ai pas de budget pour financer mon EP, pour financer mon album, pour financer mon clip. J'ai encore moins de budget quand j'ai réussi par des efforts divers et variés à réunir le budget pour produire. J'ai encore moins de budget pour financer un clip, pour faire ma promo, pour engager un attaché de presse, un community manager, etc., etc. Donc ça, c'est le premier et peut-être le principal problème de la plupart des artistes. Mais comme j'aime à le dire, le problème vient jamais du manque d'argent, il vient du fait que t'as pas de modèle d'affaires. Parce que si à chaque fois que tu dépenses 100 euros, tu avais la certitude d'en rentrer au moins 100, ce ne serait pas un problème de trouver de l'argent. Tu peux aller voir ton voisin, tes frères, sœurs, amis, collègues, etc. Parce que tu as la certitude de récupérer la mise que tu as investie. Mais il te faut une mise de départ malgré tout. Parce qu'un album, ça ne se produit pas tout seul. Un EP, ça ne se produit pas tout seul. Même un single, j'ai envie de te dire, ça ne se produit pas tout seul. Faut soit un peu de matos pour le faire chez toi, soit un peu d'argent pour aller le faire en studio. Dans tous les cas, faut du budget, c'est des choses qui se payent. Le deuxième frein, comme je l'ai dit juste avant, c'est de trouver son public. C'est qu'une fois que tu as investi de l'argent dans un EP, un album ou quoi que ce soit, faut que tu aies la capacité de promouvoir ce projet de sorte à développer ta visibilité suffisamment pour qu'un infime pourcentage des gens que tu as atteints décide de s'engager à fond avec toi. C'est ce qu'on appelle créer sa fanbase. C'est pas 1 million de vues qui te font vivre. Ça, à la limite, on s'en fout. C'est 100, 200, 300, 500 fans qui aiment suffisamment ce que tu fais pour acheter ton EP, ton album, pour acheter une place de concert pour venir te voir, pour pourquoi pas acheter, je sais pas, un produit dérivé, une casquette, un t-shirt, etc., etc. Donc c'est ça qui doit t'intéresser. C'est de trouver ton public. C'est pas d'avoir des millions de vues. Moi, j'appelle ça dans la formation de piste, j'appelle ça des suspects, des visiteurs. Les visiteurs n'ont jamais fait vivre aucun artiste. C'est comme si demain tu me disais, voilà, je sais pas, je joue à l'Olympia, la billetterie est ouverte, j'ai 1 million de personnes qui s'amassent dans la rue. Si personne rentre dans la salle, tu t'en fous littéralement de ce million de personnes. Ce qui va t'intéresser, c'est les 1 000 personnes qui vont se dire, OK, ça m'intéresse, je vais à l'entrée, je paye mon ticket, je rentre dedans, j'assiste au concert, et quand je ressors de là, j'en parle à la terre entière. C'est ça qui va t'intéresser. Et puis, le dernier problème, comme je l'ai évoqué dans l'introduction de cette vidéo, c'est bah, de vendre. C'est que même quand tu as le budget pour produire, même quand tu arrives à développer ta visibilité au point d'attirer le bon public à toi, bah, tu as beaucoup d'artistes qui ne savent pas vendre, qui ne savent pas s'y prendre, qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas envie de faire ça, tu sais, qui n'ont pas envie d'avoir des réseaux sociaux où ils font des vidéos. Salut les amis, c'est un tel, bah, écoute, mon nouvel album est sorti, clique ici pour l'acheter, ça me fera vachement plaisir, etc., etc. Tu as plein d'artistes qui ne sont pas comme ça et souvent leurs producteurs ou leurs managers les forcent en plus à le devenir. Je ne sais pas si tu as vécu ça. Moi, j'ai vu ça plein de fois autour de moi. Ils te forcent un petit peu à être d'une manière. Et c'est le pire truc à faire parce que c'est pas vraiment toi. Donc toi, tu vas pas être à l'aise à le faire. Et en plus de ça, ton public va le ressentir et il va, mais alors pas du tout, être réactif par rapport à ce que tu proposes. Donc tout ça,
c'est les trois obstacles vraiment principaux qui peuvent te freiner dans le développement de ta carrière. Et alors, il y en a qui ont essayé des solutions. Il y en a qui se sont dit, ok, bah, j'ai pas de budget, je vais faire des crédits. J'ai pas de budget, je vais trouver un producteur, tu sais, je vais attendre peut-être 5 ans, 10 ans, 50 ans, voire même toute ta vie pour rien, mais je vais attendre qu'un type tombe sur ce que je fais, se dise waouh, c'est un génie, je vais financer son développement. Et puis tu as des gens qui misent tout sur les aides et subventions, ils arrivent à en obtenir une tous les 5 ans et ils se rattachent à ça toute leur vie. Bon, tu l'auras compris, ça marche pas. Pour la fanbase, c'est pareil. T'as des gens qui essayent toutes les techniques les plus alambiquées les unes que les autres et au final ça marche pas. À part drainer beaucoup de trafic, il se passe pas grand chose. Les gens par exemple qui achètent les vues ou qui achètent les streams. Alors c'est bien, hein, tu vas faire 1 million de vues sur ton clip YouTube en un mois, mais à la fin ça se convertit pas en argent dans ta poche finalement. Et puis le mois d'après quand tu ressors un clip, tu recommences de zéro parce que t'as pas de public. Il y a des gens qui font la course à la médiatisation. Je cours après des diffusions radio, des diff télé, des machins, etc. Mais tous les artistes majeurs qui ont eu de la visibilité média te diront la même chose. On te prête des fans. C'est-à-dire que le jour où la radio arrête de te jouer, tu perds 95% des gens qui te suivaient. Le jour où tes clips arrêtent de tourner, tu perds 95% des gens qui étaient en train de te suivre, etc. etc. Donc au final, c'est pas non plus la bonne solution. Et puis, tu vas avoir les gens, tu sais, qui n'aiment pas vendre. Ceux-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager les gens pour vendre pour eux. Ils engagent un attaché de presse pour les vendre auprès des médias. Ils engagent un tourneur pour vendre des dates. Ils engagent un producteur ou un manager ou n'importe qui d'ailleurs autour d'eux pour vendre, entre guillemets, leurs albums, par exemple, après les concerts. Tu vois beaucoup ça. Ce n'est pas l'artiste en lui-même qui vend, c'est quelqu'un à côté qui a le bon discours, etc., etc. Mais c'est pareil, ça marche pas vraiment pour plein de raisons. Le premier, c'est que si tu attends 10 ans avant de trouver un producteur qui investit sur toi et qui vende ta musique, tu peux toujours attendre. Tu as des gens qui attendent depuis 25 ans et c'est toujours rien passé. Le problème aussi, c'est que si tu engages quelqu'un, faut le payer. La plupart du temps, les gens travailleront pas au résultat pour toi. Ils te diront, écoute, moi le boulot sera fait, tu me payes pour ça. Si après ça vend ou ça vend pas, c'est pas mon problème. C'est le public qui décide. Peut-être que ton album il est pas si bon, peut-être que tu l'auras mal présenté, peut-être que si, peut-être que ça. Donc au final, ça marche pas vraiment. Mais si tu as déjà essayé toutes ces méthodes, et personnellement j'ai fait partie des gens qui ont essayé toutes ces méthodes, sache que c'est normal. T'es normal, t'es pas bizarre, tu sors pas de je sais pas d'où, etc. C'est normal de pas aimer vendre sa musique quand on est artiste. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai toujours été meilleur pour vendre les musiques des autres que pour vendre les miennes. Parce que tu es trop investi émotionnellement dans ce que tu fais. C'est normal d'avoir des difficultés à trouver du budget pour produire sa musique ou pour investir dans son développement. C'est pas évident, tout le monde te le dira, c'est le nerf de la guerre et c'est pas facile. Et pareil, c'est normal d'essayer toutes les méthodes pour trouver son public parce que tout le monde l'a compris. Sans public, un artiste n'existe pas. Donc il faut que tu aies tout ça. Et tu n'es pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accompagné plus de 3000 artistes et producteurs à travers mes formations, mais j'en ai des dizaines de milliers à travers ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux que je conseille, que j'accompagne, avec qui j'ai des échanges pardon aussi, et ils ont tous le même problème. Et tout le monde fait la même chose que toi. Tu vas essayer ci ou ça, et la prochaine stratégie, entre guillemets, que tu vois apparaître comme un truc qui brille, tu vas la tenter parce que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Malheureusement, ça n'amène pas de résultats et concret et à long terme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution à tous tes problèmes? Moi, j'en ai trouvé une. Une seule. En plus de 15 ans dans la filière musicale, quasiment 20 ans même, en plusieurs années à faire des recherches marketing, web marketing, stratégie de développement, etc. J'en ai trouvé une qui répond à ces trois obstacles-là, qui les met à mal, qui les élimine complètement de ton chemin. C'est le crowdfunding. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est le financement participatif. Ça veut dire qu'en gros, tu vas, à travers une campagne de crowdfunding, on va en parler juste après, mais tu vas solliciter le public le plus engagé dans ta démarche à investir de l'argent sur toi, donc à financer ton projet. Là, tu viens déjà de voir que rien que dans cette phrase, tu trouves à la fois un public et du financement. Et donc, tu trouves le public le plus engagé à financer ton projet à travers ce qu'on appelle des contributions. Autrement dit, tu as peut-être 150 personnes qui tombent sur ta campagne de crowdfunding, qui décident d'investir peut-être, je ne sais pas moi, 50 euros chacun dessus. On va dire 100 personnes, ça facilite mes calculs. 100 personnes qui investissent en moyenne 50 euros dans ton projet. Tu vas te retrouver avec 5 000 euros
que tu vas pouvoir investir dans ta production, dans ta promotion, dans ton marketing. Mais en plus de ça, tu as 100 fans hyper engagés parce qu'ils viennent déjà de te mettre 50 balles sur la table alors que tu n'existes pour ainsi dire presque pas. Et en plus de ça, tu l'auras fait sans vendre. Pourquoi sans vendre? Parce que le crowdfunding, ce n'est pas de la vente. Il y a une grosse différence entre vendre et solliciter une participation. Si tu as été étudiant, par exemple, tu le sais très bien. Voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien raconter. Quand j'étais étudiant en droit, à l'époque, donc j'habitais à Montpellier, à Louis Blanc, pour ceux qui sont du coin. Donc, j'étais à l'UFR de droit de Montpellier. Et il y avait deux types de soirées. Enfin, tu sais, quand tu es étudiant, tu sors plus que tu travailles. Bon, c'est la vie. Il faut bien que jeunesse se fasse, comme on dit. Mais l'idée, c'est qu'il y avait des soirées qui te disaient « Tu viens à telle heure, tel jour, c'est 20 euros l'entrée. » Déjà, c'est dur, tu vois, quand tu es étudiant, machin. Moi, en plus, j'étais boursier, tu sais, fallait faire gaffe, etc. Et puis, tu as l'autre type de soirée, c'est ceux qui te disent, bah voilà, tu viens tel jour à telle heure, c'est gratuit. Par contre, tout ce qu'on demande, c'est une participation aux frais de 20 euros. Mais en plus de ça, tu as une boisson offerte, tu vas passer une bonne soirée, il y aura de l'animation, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du public quand tu fais ça? D'un côté, on essaye de te vendre un truc. D'un autre côté, on t'invite. Mais on te dit juste, et c'est normal, c'est une question d'éducation et une participation aux frais. Comme quand tu fais des soirées avec tes potes ou des repas avec tes potes et que tu te dis, bah voilà, chacun amène un truc à boire ou chacun amène un truc à manger. C'est une participation aux frais. C'est normal dans notre éducation de faire ça. Par contre, on n'aime pas se faire vendre un truc. On n'aime pas être sollicité pour une vente, mais on aime bien être sollicité par une participation. Et ça fait toute la différence. Dans le crowdfunding, tu n'as pas besoin de vendre. Tu sollicites une participation de la part du public qui a envie de le faire. Pas à qui tu vends quelque chose, mais qui a envie de le faire. Il n'est pas question de persuasion, il n'est pas question de vente, il n'est pas question de stratégie, marketing, de manipulation diverses autres. Il est simplement question de proposer à quelqu'un qui a déjà presque envie de le faire, de participer au financement de ton projet. Donc là, que tu aimes vendre ou que tu n'aimes pas vendre, que tu as envie de vendre ou que tu n'aies pas envie, que tu saches le faire ou pas, le problème est réglé, tu n'as pas besoin de vendre. Tu sollicites une participation aux frais. Le deuxième problème, c'est le budget. Alors ça vient des plateformes, ça ne vient pas de moi, mais les plateformes de crowdfunding te donnent une stat qui vaut de l'or, c'est qu'en 2020, la contribution moyenne dans une campagne de crowdfunding liée à un projet artistique, elle est de 50 euros. Je répète, elle est de 50 euros. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque donateur va te donner 50 euros. Évidemment, tu as des gens qui vont te donner que 5 ou 10 euros, mais tu en as aussi qui vont peut-être te filer 300 balles. La moyenne de tout ça, c'est 50 euros. Ça veut dire que pour lever, par exemple, 5000 euros, il te faut pas plus de 100 fans. Est-ce que c'est difficile à trouver 100 fans? La réponse est non. Quand tu sais comment t'y prendre, on va y revenir juste après. Je vais te donner des méthodes aussi pour bien développer ta campagne de crowdfunding. Mais là, je ferme la parenthèse. On reste vraiment sur 100 fans. Est-ce que c'est dur de trouver 100 fans aujourd'hui avec tous les outils que tu as à ta disposition, ton téléphone portable, rien que ton répertoire dans ton téléphone portable, rien que tes réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, machin, etc. Non, c'est pas difficile. Ça veut dire que là où avant, il fallait peut-être que tu fasses 5 millions de vues pour gagner 5000 euros, aujourd'hui, avec 500 vues, ça peut suffire. 500 vues peuvent littéralement te rapporter 5000 euros grâce au crowdfunding. Donc, ça règle tous tes problèmes. Et au final, le crowdfunding, j'ai trouvé ça au départ pas évident parce qu'il y a quelques années, quand j'ai essayé, on était, je pense, en 2013-2014, il n'y avait pas grand monde en fait qui connaissait. Les gens trouvaient ça bizarre, ils ne finançaient pas des projets de ce type. En 2020, il y a un rapport qui est sorti qui montre qu'on a passé la barre symbolique du milliard d'euros générés pour les projets artistiques. Je répète, le milliard d'euros. Là où il y a 7 ans, on était plafonné à 150 millions d'euros par an générés à travers le crowdfunding, aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'euros. Et je dis aujourd'hui, c'est en 2020. Là, on est déjà en 2022. Il y a de grandes chances pour qu'on soit déjà à plus d'1,5 milliard, si ce n'est peut-être même 2 milliards. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'argent. Il y a vraiment de l'argent à aller chercher. Et les gens, ça y est, ils ont pris l'habitude. Comme il y a 20 ans, tu disais à quelqu'un de payer sur Internet avec sa carte de crédit, ça le faisait flipper. Il te regardait bizarre, il trouvait ça étrange. Il y a 10 ans, tu disais crowdfunding, les gens disaient « Ouais, tiens, c'est quoi ce truc bizarre? C'est un truc alternatif, tu sais, c'est étrange, est-ce que ça marche vraiment? Pourquoi? Qui? Comment? Etc. » Aujourd'hui, c'est normal. Et tu as plein d'artistes qui lèvent des milliers d'euros à travers le crowdfunding. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux faire du crowdfunding, sache qu'il y a un gros distinguo à faire entre crowdfunding
et crowdfunding qui rapportent de l'argent. Le premier, c'est, tu sais, tu vas sur Ululele, KissKissBankBank ou je ne sais pas quelle plateforme, tu remplis des cases, tu mets des contributions, tu parles de ton projet, etc. Et tu lances. Ça, on le sait tous. Si tu as un pote artiste qui a fait ça ou si toi-même tu as essayé, tu le sais comme moi, ça ne marche pas. Tu vas lever un petit peu de sous, mais tu n'atteindras jamais tes objectifs et tu récupéreras jamais ton argent au final. Et puis, tu as la deuxième manière de faire, c'est ceux qui ont une méthode, qui ont une véritable méthode basée sur des statistiques, sur de la data, pas un truc inventé ou je ne sais pas quoi, et qui permet vraiment de lever des fonds. Par exemple, quand tu sais quel objectif de campagne te fixer, quand tu sais quel type de contribution proposer et de quelle manière les proposer, comment les packager, comment les nommer, comment les amener, quand tu sais comment présenter ta campagne de crowdfunding, quand tu as un script entre guillemets pour ta vidéo de présentation qui fait mousse. Tu sais, ce script qui va aller séduire le cerveau créatif des gens, pas le cerveau analytique, tu sais, cerveau gauche, cerveau droit. Quand tu vises le cerveau analytique des gens, le cerveau droit, ils sont déjà en train de réfléchir avant même d'être emballés par ce que tu proposes. Alors que quand tu sollicites le cerveau gauche, le cerveau créatif, tu les mets déjà dans un mode « yes, je valide, je trouve ça génial, j'ai envie d'en être ». Et après seulement, ils vont analyser, ils vont rationaliser. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je dois? Etc., etc. Tout ça, entre guillemets, ça demande une méthode. Et ça tombe bien parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle « Réussir sa campagne de crowdfunding ». Elle vient tout juste d'être lancée là, ce matin, ce lundi matin. Cette formation, tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Tu verras que quand tu vas arriver sur la page, je t'ai fait un petit audio où je te donne des exemples justement d'artistes complètement inconnus qui ont levé pour une notamment plus de 12 000 euros en quelques jours seulement. Il y en a une même qui a levé plus de 5 000 euros en moins de 15 jours. Et tu verras que c'est des artistes totalement inconnus. Je te donne les noms, tu peux aller regarder leur campagne, etc. Tu en as même une qui est encore en cours. Tu verras, c'est des artistes complètement inconnus qui font des trucs pas du tout mainstream, des trucs complètement barrés. Il y a un exemple que je donne notamment, c'est un groupe qui fait de la trompette avec des morceaux qui durent 17 minutes. Enfin, c'est un bordel de trucs, mais ça marche. Tout le monde est capable de lever des fonds pour autant qu'on est capable d'appliquer la bonne méthodologie. Donc, clique sur le lien dans la description, va checker la formation. Et si tu y vas assez tôt, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais si tu la vois assez tôt, il y a moins 75% sur la formation Réussir sa campagne de crowdfunding si tu es dans les 48 premières heures du lancement de la formation. Donc, j'espère pour toi que tu verras cette vidéo assez tôt. Clique sur le lien dans la description. Découvre la formation et profite de cette réduction de dingue de moins 75%. La formation est également éligible à un financement CPF, AFDAS, Pôle emploi, enfin tout le tintouin. Tu as toutes les informations sur le lien dans la description. Je te laisse cliquer dessus et profiter de cette formation. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça t'aura appris des choses, motivé, inspiré. Si c'est le cas, t'abonne pas, juste clique sur le lien dans la description et découvre cette formation et profites-en même. C'est ta formation, franchement, elle est faite pour toi. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas voir la formation, tu vas t'inscrire, tu verras qu'avant la fin de la semaine, tu vois aujourd'hui on est lundi, avant la fin de la semaine, tu auras lancé ta campagne de crowdfunding et avant la fin du mois même, je suis quasiment certain que tu auras levé les fonds dont tu as besoin pour financer ton projet, financer ton développement. Et le pire, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir un EP là maintenant. Tu as juste besoin d'avoir un EP à venir parce que tu vas aller chercher le financement pour cet EP. Je parle d'un EP, ça peut être un album, ça peut être un clip, ça peut être une tournée, ça peut être juste de la promo, du marketing, peu importe. Mais tu peux, là, en cliquant aujourd'hui, tu récupères ta formation, tu la démarres. Avant la fin de la semaine, je suis certain que tu auras lancé ta campagne et avant la fin du mois, tu auras levé les fonds dont tu as besoin pour financer ton développement. Je te remercie d'avoir été attentif. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Ma langue a fourché, je suis désolé. Je suis un petit peu fatigué. Là, je suis bien malade là en ce moment, mais c'était important pour moi de te faire cette vidéo. Déchire tout et je te dis ciao, ciao.